Nous sommes tous conscients de l'enjeu du match. Et là, et je pense qu'on est conscient du match et on va essayer de gagner ce match et d'être qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, tout se passe sur le terrain. Le football maintenant, c'est sur le terrain. C'est pas le Togo, le Bénin. Nous sommes tous de la même région. Nous sommes des pays frontaliers et je pense qu'il y aura beaucoup d'enjeux. Le terrain sera plein à craquer. Mais nous, on est conscients, on vient de loin et on sait que avec une victoire, on est qualifié. Et là, faut tout donner. Et on est conscient de cela. Là, je suis dans un bon championnat. Je joue presque tous les week-ends. Et je pense que tout ce que je fais tous les week-ends, je vais essayer de le reproduire. Et même essayer de faire un peu plus. Ouais. Est-ce que les absences de Cissé Côté vont permettre au Togo de se qualifier? Non, pas permettre au Togo. Mais je pense que c'est aussi un coup dur pour eux. Parce que tout se joue sur Cissé Nyon. Et c'est un avantage pour nous. Non, moi j'ai encore un contrat de, si je me trompe pas, 4 ans avec Getafe. Je me sens très à l'aise là-bas et je pense que bon, cette saison, il reste encore 10 matchs à jouer. Et mon idée, c'est, je suis concentré pour ces matchs.